Bon allez, on sort enfin le Hyper Crash en 6S. On a Julien qui a sorti les buggy et les rampes. Moi je vais essayer d'éviter un peu les rampes. J'espère que mon collage est bon. Ça ballonne, hein? Ah putain, c'est décollé? Ouais. Ah nique sa mère. J'ai de la colle dans le... Ça commence bien, hein? J'ai de la colle à la voiture, si tu veux. Ouais. C'est que partiel? Ouais. Ouais, bah à la limite, ouais, je veux bien, parce que j'ai que ça. Ça aurait fait une minute de run. Mais voilà, hein. Ça a été rapide. Hein. Bah donc on commence bien. On a déjà un petit décollage du pneu. Donc on va essayer de recoller ça pour repartir. Et on verra. Allez, pneu recollé. On repart avant que Julien ait cassé le VS2. Si on peut rouler à deux. T'as pas cassé encore, hein? Hop, on va allumer, ça sera mieux. Je vais aller mollo pour pas que ça décolle, hein. Ça a l'air. Bonjour. Il est beau, hein, ce... Il est beau, mais faut faire attention, hein. Ah, c'est sûr. La cage est fragile. Il est vachement bas à l'arrière. De l'arrière, ouais. Je crois que j'avais baissé parce qu'il sautillait. Ouais, mais c'est. Après, ça dérange pas pour rouler. Regarde. Bah, il remonte pas, attends, je vais. On va tarer un peu. Ouais, vu les skids qu'il y a, ça craint rien. Hein. Ça a pas l'air. Je vais y piquer le tube, tu vas voir. Je vais faire toutes mes roues avec. Ça ballonne. Eh ouais. Ouais, ils sont faits les pneus d'origine, hein. Ah ouais. Bah, un 6S, ouais. Mais mollo, on a pas envie de faire une cage. Hein. Bah, ce qui est trop bien, c'est qu'il vire super à plat, quoi. Je sais pas. Je vais pas jouer la vitesse, je regarde pas en fait. Mais faudrait que je teste quand même avec un GPS un jour. Bah, elle va bien ta colle, hein. Moi aussi j'y vais sur la rampe. Non.
coupure avant de le couper. Avant de le cuisiner, j'ai une coupure. C'est peut-être pas plus mal. T'as une autre batterie? Ouais, c'est, pas... mais c'est pour le deuxième. Ah. Vous avez le premier saut là? Aïe 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 la cage. Ça a pris les roseaux et ça a accroché une roue. Bon, normalement c'est de l'herbe, la cage devrait être épargnée. Ben, j'espère. J'ai toujours pas eu le temps de la renforcer. La cage est droite, ça n'a pas touché. Oh, ça tient bien. Vilain caillou. Ça fait une belle trace sous le châssis celui-là. Bon, non, ça va. Non. Ouais, les avant, ça... pour mieux rouler dans la neige. Le Hyperformer, tu as testé ou pas encore hein? Ouais, plusieurs fois, trois fois déjà. Et alors? Et ben en 3S, c'est... j'ai passé en 3S. Ah, 3S c'est light hein? Ouais, bah là, il fait 2,9 kg. Ça va. C'est léger hein. Ah oui c'est léger ouais. Et franchement tu, bah, tu verras c'est efficace. Ouais, c'est qu'il y a du carrossage d'origine. Hein. Tout c'est un peu dévissé dessous là. Les roues s'enlèvent dessus? Ouais. Ah oui il a trois packs celui-là. On va dire que le premier pack, j'ai fait une cage, 100 balles. Ah ouais. Donc maintenant, piano, piano. Bon, tout à l'heure, il a roulé, mais il n'a pas touché la cage. Et ça, c'est une autre faiblesse, celui-là, c'est ça? Hein? Ça, c'est une autre faiblesse du 2024. C'est ça. On est qu'en février. Pour aller un peu plus vite, c'est ça? Ouais. Je trouve qu'il en manque un peu là. Bah, sur cet endroit, il faudrait des gros, des grosses transmissions, mais après les moteurs. Et ton ESC au fait? Du. Bah, le moteur qui a, le ESC qui a rendu là, non? Ouais, tu t'as pas moyen de faire la garantie?
Bah j'essaie de leur envoyer mais... Ouais, c'est chaud, ouais. C'est en elle-même. Ouais, c'est ça le problème. Après des fois, ça les boutiques qui... Je me dis, je serais passé par Hervé. Ouais, bah, peut-être, peut-être pas. Après, par Hervé, peut-être tu aurais eu... peut-être pas de suite. Hein. Ouais, je sais pas. C'est tout cassé. On va aller dans la terre un peu là-bas. Génial ce cage. Radio ? Je sais pas. Aïe 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 la cage. Non, c'est bon. Elle a tapé droit donc ça va. On va se calmer. On va essayer de ne pas faire une cage. Le moteur, là, il est chaud mais ça va. Oui, c'est nickel. Plus rien dans le sac.